Et yo les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on repart sur Gmod Dark RP et en plus on repart sur une série que vous kiffez puisqu'on repart en GIGN avec l'agent Riette moi-même et surtout avec l'agent Vendetta et l'agent Pellegrino. Et il y aura aussi 645i, on va partir du coup pour protéger la ville, des malfrats et peut-être résoudre des enquêtes, je ne sais pas, mais en tout cas comme d'habitude si vous kiffez la série GIGN, un maximum de likes à la fin de la vidéo. C'est parti les Bobtou, let's go. Bonjour colonel. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, on va pas faire un gros blabla aujourd'hui. Vous allez peut-être constater qu'il y avait un braquage en cours. Malheureusement, les flics ont décidé de pas nous appeler cette fois-ci. Et les bonhommes qui ont fait braquage de banque se sont enfuis. Donc on a aucune arrestation, aucun mort de l'autre côté. La seule chose qu'on a, c'est un véhicule. Donc on nous a signalé un véhicule en fuite et on va devoir malheureusement le retrouver. D'accord. Donc pour le coup, on va partir en mission tout de suite. On va le trouver et on viendra au dépôt. D'accord. C'est quel allez, type c'est de véhicule, chef? Mais chef, c'est quel type de véhicule? En temps et en heure. D'accord. Vous nous dire en temps et en heure. D'accord. Allez go, dans les camions. Ok chef, mais pouvez nous dire à quoi ressemble le véhicule quand même pour qu'on puisse l'identifier? Alors bien, c'est une Volkswagen, c'est une Sirocco noire. Alors la dernière fois que les gens l'ont vu, visiblement, c'était là où les gens pêchent. Alors je comprends pas pourquoi les gens pêchent tout le temps, c'est à chier, mais on y va. Ok, ça marche chef. Ok chef. Chef, c'est ici, bah apparemment il n'y a pas de voiture, chef. Hein. Oui, et bien notre travail c'est de fouiller tous les recoins pour essayer de la trouver. Et si elle est pas là, on ira fouiller notre zone. D'accord. Oui, allez, okay, c'est parti, chef. On se pitonne. Chef, regardez, vous pensez que c'est ça? Peut-être sont-ils venus en jet ski, chef. Ouais, peut-être que c'est un jet ski finalement, non? Chef, c'est peut-être un jet ski. Alors, voyez les Vendetta. On sait pas. Oui. T'es, me forcez pas à vous briser la nuque dès le début, j'ai besoin de vous jusqu'à la fin de cette mission. D'accord. On va faire des équipes de deux. Moi je vais partir avec monsieur 645 et vous deux vous allez voir la zone industrielle au bord du lac par là-bas. D'accord. Okay, ça marche. Et on se retrouve après. Vous informez par radio si vous avez trouvé le véhicule. Ça marche. 645, tu vas avec. D'accord colonel. Bon bah apparemment il a pas trop apprécié notre blague sur le jet ski. Ouais, il a pas apprécié notre blague. Écoute, en même temps, il a pas d'humour ce mec. J'avoue, c'est le mec qui a le moins d'humour au monde. Et qu'est-ce qu'il doit se faire chier 645 qui? J'avoue là, il est avec le colonel miskin. C'est quoi, c'est une Sirocco noire? Ah, oh, je l'ai trouvé. Viens, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé par là? Ici, je l'ai trouvé, viens, elle est là. Ah ouais. On a retrouvé la voiture. Colonel, on a retrouvé le véhicule et on a la plaque d'immatriculation. Ok, emmenez-moi à la voiture. On vous l'envoie, j'ai mis ça de suite, okay. Colonel. Pas de problème. Montez dans le camion. Prenez à droite à la prochaine. À droite là, à droite. Et là à gauche. À gauche, gauche, gauche. Et elle est au fond. Vous voyez, elle est dans le trou là. D'accord, je vois que ces messieurs l'ont bien caché. Bien. Alors, mission par radio, ce que vous allez faire, Riette et Vendetta. Alors, Riette, tu vas monter dans le camion. Tu vas ouvrir la centrale et tu vas faire une recherche, d'accord? Toi, Vendetta, pendant ce temps-là, tu vas lui citer la plaque, d'accord? Okay. On va avancer le camion un peu plus. D'accord. Ok, très bien, c'est bon, je suis dans l'identification. Monsieur le commissaire, oui, on a retrouvé la voiture. Pour le coup, on va faire une enquête, on va vérifier à qui elle appartient, je vous tiens au nouveau, d'accord? Car idée. Donnez-moi l'immatriculation. La plaque d'immatriculation, c'est DH485CK. 85CK, ok, vérification. Cette immatriculation est attribuée à Térébenthine Ochebet. Je sais à qui appartient le véhicule, il s'appelle à Térébenthine Ochebet. Alors Térébenthine Ochebet, il appartient le véhicule. D'accord. Monsieur le commissaire, du coup on a trouvé à qui appartient le véhicule. Est-ce que vous pouvez... D'accord, si je comprends bien, on va devoir faire le boulot encore une fois, c'est ça? Bien, je vous tiens au courant. Bien, on va rentrer en hangar, on va faire une recherche directement via le téléphone de la personne, s'il en a un, pour essayer de le localiser. Ok, ça marche très bien. Allez, chef. On se dépêche, on y va. Ok, on repart à la base du coup, chef, et on fait la recherche directement là-bas. Parfait, c'est parti. Monsieur, donc du coup, ce que vous allez faire, Riette et Vendetta, vous allez à la centrale directement, vous allez faire une localisation du téléphone portable de cette personne, d'accord? Vous trouvez quelque chose, vous me l'annoncez directement. 645 et le doc, vous venez avec moi dans mon bureau. Ça marche, chef. Bon, on va à la centrale, go, Vendetta. Ok, la centrale. Elle est là. Ok, session invitée. Du coup, on va rechercher dans l'annuaire. Et il s'appelle Térébenthine. Ouais. Térébenthine Ochebet. Ok, donc écoute-moi. Le numéro à noter, c'est... Vas-y, France, t'inquiète pas. Ok, le 271025920 7. Est-ce que tu l'as noté? C'est bon, j'avais oublié un 0 en fait. Ok, maintenant tu vas me le redonner parce qu'il me faut le numéro de téléphone du coup pour que je localise. Il faudrait du coup répéter. Non, vas-y, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Tu sais quoi, j'ai pas besoin de toi. Tu sais quoi, parce que t'es vraiment mauvais en fait. Ouvert deux fenêtres et comme ça va beaucoup plus vite. T'es vraiment un incompétent. Hein. Allez, on localise. La cible n'a pas de mandat, d'accord, mais du coup on peut pas le localiser. Alors je vais aller en informer le colonel. Colonel, on a un problème. Alors on a bien réussi à avoir le numéro de téléphone de la personne recherchée. J'ai tapé son numéro de téléphone dans le tracker pour savoir où il était. Ça m'a dit qu'il n'avait pas de mandat, du coup on n'a pas pu le retrouver. Enfin, ça m'a dit que ça pouvait pas le retrouver. Bien évidemment. Bon, je vais faire cette demande de mandat et vous allez pouvoir le localiser juste après, d'accord? Ok, très bien, vous me dites quand la demande de mandat. Je vous rejoins dans quelques minutes.
Ça marche, à tout de suite. Messieurs, le mandat est fait, Riette, tu me localises le téléphone, s'il te plaît. Pas de soucis, chef, je fais ça tout de suite. Alors, session invitée, annuaire, on a la numéro de la personne ici, le T-tracker, hop, c'est parti, mon kiki. 271025-9207, localisé. 45 est vendetta, allez prendre de l'équipement en attendant. Numéro localisé, ok, on ferme ça, on va lui dire au colonel. Chef, c'est... Ah, y a plus personne. Chef, c'est bon, le numéro est localisé, il est à 1230 mètres, là, je le vois. Alors, on va y retourner, allez au véhicule, je vous rejoins. Ok, ça marche. Vous pouvez y aller, c'est à droite, là. Ok, allez-y, tout droit. Je vais vous guider, d'accord, à droite, là, à droite. Là, vous allez apprendre à... Plus tout droit. Mettez-le. Oui. Le moins sur le GPS, ça sera plus simple, non? Ok, chef, c'est à 400 mètres comme vous pouvez le voir. On fait quoi quand on arrive devant? Eh bien, si on arrive devant et qu'on a un bonhomme, on l'intercepte. On le traduit, okay, chef. D'accord, on a besoin d'infos. Donc ne l'abattez surtout pas. C'est là-dedans, chef. Il serait là, chef. Attendez, venez. Allez, on se déploie. Il serait ici, chef. Chef, allez, il est ici, son téléphone. Chef, il est là, son téléphone, il n'y a personne. Alors, où est-ce qu'il est, votre... Son téléphone est ici, chef. Ah bah, bravo. Dupé. Merci, la localisation. Nickel. Je crois que la localisation, ça servait à rien pour l'instant. Bon, écoutez bien, je vais laisser l'un d'entre vous réfléchir. Où est-ce qu'il est, 645? Toujours en retard. Toujours pas là quand il faut être là, n'est-ce pas? Donc, je vous laisse réfléchir à ce que nous allons faire. Pendant ce temps-là, je vais contacter le commissaire. D'accord? Je vous laisse ici devant ce portable. Pour lequel nous sommes venus, n'est-ce pas? Nous sommes déplacés pour un portable. On retrouve le mec, je pense qu'il est dans les zones industrielles. On a localisé le portable, sauf que le mec a pris de l'avance, il a jeté le portable par terre et il s'est barré. On peut pas fouiller la zone industrielle. Pareil, il est paniqué. Ouais, j'avoue, on peut fouiller la zone industrielle. À mon avis, regardez, déjà il est visible. On a une idée. Oui, vous écoutez, qu'est-ce qui se passe? On va fouiller la zone industrielle, je pense que c'est mieux. Il doit pas être très loin. Mieux planquer le téléphone s'il aurait eu le temps. Eh oui. Donc Riette, vous proposez qu'on fouille toute la zone directement? Vous savez qu'on en a pour un moment avec la centrale quand même, ça va être un peu long. Je sais pas, chef, je me rends peut-être pas compte. Non, absolument pas. Je sais qu'on a l'habitude de faire un peu le rodéo là où on passe, mais non, avant il faut qu'on trouve cette maison, vous devez être sûr que c'est la bonne maison. La dernière fois on a eu des soucis, j'ai pas envie d'avoir des problèmes à nouveau avec le maire, d'accord? 645, tu voulais parler? Je disais qu'on peut aller faire du porte-à-porte dans toute la zone industrielle et faire des demandes à la centrale pour acheter toutes les habitations s'ils n'habitent pas là par hasard. Voilà, clair, net et précis. Alors Vendetta et Riette, vous êtes partant pour faire du porte-à-porte? Bah ok. Ouais, donc, clairement, façon, on vend quoi? On vend quoi? On vend quoi? On vend quoi? Un jour je vais vous mordre le visage, vous allez être choqué. Faites gaffe à vous, d'accord? Vous partez, vous prenez un côté, okay, donc de cette zone. 645, tu vas avec moi, et le doc, tu viens avec moi. Attention, dès que vous avez l'info, vous prévenez par radio, d'accord? Okay, ça interdiction marche, chef, d'intervenir sur mon accord, qu'on soit okay, clair. Ça marche, chef. C'est parti, on se dépêche. Bon, on va aller faire du porte-à-porte. Il faut qu'on le trouve en eux, on va avoir une promotion. Bon, je sonne à cette porte, je demande des infos à la centrale. La centrale vous informe que la propriété est inhabitée. Ok, c'est inhabité ici, on peut checker ailleurs. Je demande l'info à la centrale pour cette habitation, ok. La propriété est inhabitée aussi. Je demande l'info à la centrale. On les fait tout et on verra bien. Ouais, je suis en train de demander l'info à la centrale pour celle-là. La propriété est inhabitée aussi. Il est quand? On va demander celle-là aussi. Une question avec la centrale là. Et elle est inhabitée aussi. Alors, mais d'après mes infos, elle est inhabitée et aussi. Ok, bon, on va faire cette maison. Incroyable. On va faire cette maison, on va voir si c'est celle-là. C'est la dernière, de toute façon, je vois pas où il veut nous amener après. Je demande les infos à la centrale là. On dirait pas le choix. Ok, alors d'après mes infos, elle est en train de me répondre. À partir de Térébenthine, c'est ici, ok, c'est ici. Ok, faut aller voir le colonel et lui dire que c'est ici. Ok, viens, on va le voir. Allô, colonel, c'était pour vous dire qu'on avait retrouvé le... On s'appelle l'habitation de la personne. Donc c'est un peu plus loin par là où on s'est engagé. Venez, vous allez nous voir normalement. Je sais pas s'il m'a entendu. Chut, j'entends des bruits dedans. Colonel, c'est ici, c'est là-dedans. Ça a été identifié comme chez lui, c'est ici, chef. Il est là-dedans. Effectivement, un peu okay, de ouais, alors, des bruits. Le doc, qu'est-ce qu'il fait? Allez, le doc, on se dépêche. Mon dieu. Bien. Messieurs, tout le monde, arme en main, s'il vous plaît. On s'apprête à intervenir. Donc, l'agent Riette a normalement localisé l'endroit où la personne habite. Si je me trompe pas, avec l'aide de Vendetta, je veux que vous tous les deux vous confirmiez. Vendetta, c'est bien oui, le cas? Oui, c'est ça. C'est bien le cas. Je sais que ce colonel, sera noté dans mon rapport. Une promotion. Ah, merci, colonel. Oui. C'est bien exactement, le cas, chef. Si jamais c'est le cas, vous aurez une petite promotion. Si c'est pas le cas, dans mon rapport, ce sera noté, vous allez avoir des problèmes à la farm, d'accord? Alors, équipe de deux, comme d'habitude, Riette et Vendetta, bah vous allez passer devant, hein, parce qu'on vous aime beaucoup, n'est-ce pas? On tient à vous, vous passez devant. Vous allez couvrir mes arrières, c'est-à-dire qu'il y a trois équipes. Oui. Riette et Vendetta, première équipe. Colonel 645, deuxième, vous êtes la troisième, vous couvrez nos arrières. Donc, l'ami sniper, oui, tu vas te positionner en hauteur et tu vas couvrir la zone. Tu n'interviens pas sur place. Tu couvres la zone, si quelqu'un s'enfuit, tu l'abats. Et si on ressort pas, tu abats tout ce qui sort. Tira après nous, d'accord? Le doc, je compte sur toi pour procurer du soin quand il le faudra. C'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Affirmatif que j'attends, c'est pas oui, monsieur. Affirmatif, chef. Bien, Vendetta, si vous avez de la Semtex, vous faites péter la première porte. On se dépêche, on se met en fonction. Dépêchez-vous. Ok, je suis prêt à rentrer, chef. Hein. Ok, allez-y, faites péter, Vendetta. J'ai reculé, j'ai pris la Semtex.
Ok, on y va, let's go. On y va, go, 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 on y va. Ok, y'a un keypad, chef. Faut faire péter la porte. 45, hein. Si t'as une subtech, c'est maintenant qu'il faut la lancer. Allez, 645, à ton tour. Ok, fais péter. Oui, chef. Allez, là. J'adore quand on fait ça. Ok, chef, faut faire péter ici, maintenant. Porte là, là. En formation, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'autre pote normalement après celui-là. Ok, ok. Mais non, comment il a posé ça, chef? Oh là là. Ah, ça marche. Ça tire, ça tire. Ok, il y a des mecs en haut, il y a des mecs en bas. Hein. Je pense qu'il va falloir rentrer, chef. Allez-y, rentrez. Un homme à terre. Je répète, pète, un homme à terre. Ok, un homme en haut mort aussi. Ok, il y en a un au fond à droite, au fond à gauche. Ok, ils sont tous morts. Hein. Ok, ok, le secteur était clean. Bon. Hein. RAS, RAS, c'est bon. J'ai eu trop peur là. Je vais vérifier les étages. Il n'y a plus personne et il y a des printers en plus. Ils étaient trois à l'intérieur, chef. Et moi, je crois que j'en ai tué un, mais je suis pas sûr. Il y a plein d'herbes, mon colonel. Ouais, il y a plein d'herbes et il y a plein de printers, chef. Et il y a du cassoulet apparemment. On fait quoi, colonel? Alors, l'ami sniper, pour le coup, j'ai appelé le commissariat. Donc, au niveau, le commissaire va venir avec ses équipes. Le sniper confirme que personne ne s'enfuit de la zone. Alors, okay. Pour le coup, j'ai envie de dire, c'est réussi. Bravo, messieurs. Yes, encore une mission réussie. Tu perds chez nous. Ça, c'est non, je me perds chez nous, non. Par contre, j'ai un peu souffert, mais ça va. Vous avez un peu souffert? Est-ce que vous voulez que je vous aide à souffrir encore un peu? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Vous inquiétez pas, tout va bien. Si on peut récupérer quelques éléments et les ramener au dépôt, on les ramène avec nous. Vous les mettez dans les coffres. Sur le reste, on le laisse à la police. D'accord? Alors, faites un petit tour et on se retrouve au dépôt. Ok, ça marche. J'ai du cannabis, chef. Hein. On ramène le cannabis, hein, chef. Hein. Non. Oh là. On va pas prendre ça dans le camion. Vous avez craqué ou quoi? Absolument. Mais quoi, chef? Chef, ça va. C'est qu'un peu d'herbe. Monsieur, ma femme recherche des plantes, ça fera très joli chez moi. Ouais, moi aussi, c'était pour le sapin de Noël. Vous êtes du genre là. Ok, donc écoutez-moi, vous aimez la verdure, Henriette et Vendetta? Oui, monsieur. Excellent, vous allez rattraper à pied pour le coup, d'accord? Ça vous laissera un peu respirer la verdure, le paysage. Mais non, le décor. Mais chef, okay. Non, en voiture et vous vous rentrez à pied. Mais nous sommes en vie, chef. Immédiatement, vous finissez un trou pendant un mois, dépêchez-vous. Mais chef, bien. On rentre à pied, colonel. Mais venez avec moi, mettez-vous deux contre ce mur, dépêchez-vous. Une simple question, est-ce que vous aimez l'herbe? Vous aimez la consommer? Non, chef, c'est pas bien, chef. C'est vraiment pas bien de consommer l'herbe. Non, colonel, quoi? Enfin, ça dépend. Et, ça dépend quelle herbe. Un peu de persil, monsieur, ça fait pas de mal. Un peu de coriandre. Et c'est le sud, quoi. Un peu de coriandre, ouais. Alors, pour le coup, non seulement vous allez rentrer à pied, mais en plus de ça, vous allez marcher accroupi jusqu'au hangar. D'accord? Mais non! Ok, c'est clair. Alors, nickel, tu tombes bien. L'ami sniper, je te donne une mission précise. Tu vas surveiller ces deux bonhommes. Ils vont rentrer à la base accroupis. S'ils se relèvent encore, s'ils se relèvent juste une fois. Tu me contactes par radio et tu me préviens, oui. D'accord? Oui, monsieur, sur la fréquence d'hygiène. Oui, oui, chef. Je veux pas le savoir, c'est affirmatif ou c'est pas clair? Chef. Bien. Affirmatif, chef. Comment ça prend de l'avance? Messieurs, hein. Vous pouvez y aller, hein. Ça va être un peu long. Messieurs, ouais. Du coup, on se reverra un prochain jour. On va venir, colonel, parce qu'on n'est pas arrivé. Ouais, dans une semaine. 645, tu rentres au dépôt avec moi. On peut prendre l'herbe quand même, du coup. Non, j'ai pas l'impression. Yeah. Bon, bah, on va rentrer à la base, tant pis pour nous. Il aime pas la coriandre ni le persil, quoi. Il aime pas la coriandre, il aime pas le persil. Bonne route, chef. Merci, chef. C'est un grand plaisir, monsieur. Mec, fais pas. Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, eh ben, vas-y, contacte-le. Eh ben, vas-y, contacte-le, c'est pas mon problème. Tu veux que je contacte? On est tous dans la même. T'es une balance. On est frère d'armes ou pas là? T'es une balance. Eh, sale poucave. Je me cache, mon balai.